Cette vidéo, c'est pour un abonné qui arrête pas de me troller sur tous mes lives. Un russe, un petit, voyou, qui vient, qui me fait des gammons verts. Mon dieu, j'en ai marre de lui. Voilà ma vengeance. Eh, oublie pas de t'abonner, hein. Et mets un pouce bleu, hein. Fais pas ton crevard, hein. Je sais que tu peux le faire. Fais-le. Je vous présente Victor, le séducteur de la danse russe. Je te présente Babe le cochon de Victor. Он такой важный. Я на машине еду. Ты поближе, сына, вот съем ее. C'est pas comme ça qu'on regarde la live. C'est pas comme ça, frère. Habille-toi. Je sais que t'as froid. Habille-toi. Tu me fais de la peine, Victor. Victor, plus tard, il a décidé de devenir un homme rangé. Il a décidé de devenir agent de police. Mais malheureusement, ça a un petit peu mal tourné. Il est tombé sur un sas qui a décidé de lui foutre la misère. Il lui a fracassé sa voiture. Mais policier, le métier lui convenait pas. Il a décidé de changer de métier. Photographe de misto. Mais ça aussi, ça a mal tourné. Même dans les travaux, il était pas doué. Pas du tout doué. Pas du tout du tout. Très dangereux comme mec en plus. J'ai toujours pensé qu'il avait un pouvoir lousse. À chaque fois qu'il venait dans mes parties, je les perdais. À chaque fois. Il est bizarre. Je vous assure, il porte malheur partout. Le jour où ce type vient chez toi, ne le laisse jamais allumer un feu d'artifice. Jamais. Jure-le-moi. Sinon il te fera péter la maison. Même quand tu vas au parc avec lui, le malheur s'abat sur toi. Regarde le canard là. Non, c'est un signe. Bah oui, c'est un signe, il va le courser encore. Il va encore faire des conneries. Tu t'es jamais posé de question pourquoi le prix de l'essence grimpe à la pompe? Bah demande-toi, pourquoi? Parce que Victor fait le bordel avec les 6 camions citernes. Il fait encore n'importe quoi. C'est pour ça que le prix est cher. Et voilà ce qu'on appelle de faire une entrée fracassante en Russie. Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur.